était en train de bouger les lignes. Et si certains pays de la CEDEAO étaient en train de se mordre les doigts et de se demander s'ils devraient rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Quelques interrogations qui nous permettent de nous rendre vers notre thématique principale. Il s'agit d'une réaction du président béninois Patrice Talon face à la presse béninoise. Celui-ci déclare « Il est peut-être temps d'abandonner les sanctions pour revenir au rouage de la CEDEAO. » Le président Patrice Talon a clairement déclaré qu'il fallait que les pays de la CEDEAO reviennent à de bons sentiments afin de recadrer et d'encadrer le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont eu raison de se retirer, selon lui, à cause des sanctions qui ont été imposées à ces différents pays. Aujourd'hui, le président Patrice Talon propose aux pays de la CEDEAO d'abandonner la politique des sanctions pour revenir au rouage de la CEDEAO, ce dont on. Dans cette émission, nous parlerons essentiellement de l'actualité qui met en évidence la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, mais nous parlerons aussi de cette réunion, de cette session extraordinaire qui a eu lieu ces deux derniers jours, où la CEDEAO a pu déclarer qu'elle ne réitérait à ces trois États de l'AES que non, elle n'acceptait pas leur retrait et que d'ailleurs le délai était fixé à un an pour qu'ils puissent se retirer légalement et juridiquement possible. Mais aussi, la CEDEAO a tenu à rappeler à ces États que les raisons étaient entre guillemets pas fondées pour se retirer de la CEDEAO. On nous parle donc dans cette émission avec notre invité qui n'est nul autre que Chiélou Lawson. Il est analyste politique, mais également leader panafricain. Merci à vous d'être là dans le cadre de cette émission. Regard panafricain, bonsoir et bienvenue à vous, Chi. Sur votre plateau. Le regard panafricain nous permet justement de jeter ce regard objectif, ce regard critique, mais aussi analytique sur les thématiques politiques, géopolitiques, économiques du continent, mais aussi dans le monde, avec un angle de vue spécifiquement africain, car les Africains peuvent. Je voudrais saluer aussi tous les panafricains, panafricanistes qui sont branchés à cette émission. Et en les évoquant, vous comprendrez que je saluerai les Togolais qui, de plus en plus, adorent votre émission. Ils sont toujours les premiers à se brancher. Et en évoquant les Togolais, permettez-moi de réclamer la libération de tous les prisonniers politiques togolais. Ils sont plus d'une centaine dans les géants de Fon Assiné. Et ces Togolais ont besoin de liberté parce qu'ils sont soumis à des tortures, des traitements inhumains, cruels et dégradants. Et nous avons besoin tous de se mobiliser pour qu'en fait les Africains du Togo puissent avoir aussi la liberté de jouir des idéaux panafricains, car le Togo est une dictature depuis de 60 ans et cette monarchie militaro-mafieuse a besoin de céder la place, a besoin de tomber pour que l'Afrique puisse être libre, digne et devenir tout à fait l'Afrique des Africains. Merci Madame Bébé pour cette invitation. Merci à vous, Chiélou Lawson, d'être avec nous. On revient pour la discussion juste après cette transition. Merci.
merci à tous de nous regarder sur Forum Media Africa, de nous recevoir à travers nos plateformes internet, à travers l'application éponyme, mais également à travers nos petits écrans sans omettre la radio, la 96.3 FM, la radio panafricaine pour ceux qui sont au Cameroun, particulièrement à Douala et ses environs. Nous parlons de cette déclaration de Patrice Talon, le président béninois, qui dit, je cite, « Laissez tomber les sanctions pour préserver les rouages de la CEDEAO », fin de citation, il le faut pour ces chefs dirigeants des États de la communauté économique, évidemment de la sous-région. Chez Lulawson, le président béninois, il a une réputation qui ne lui donne pas l'image d'un fin panafricaniste ou encore d'un président qui a soutenu les trois États que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que Patrice Talon est en train de retourner sa veste ou alors en train de faire un mea culpa? Bon, c'est beaucoup plus un revirement, Madame de Bouguet, puisqu'un mea culpa. Patrice Talon nous a habitués à ces retournements rocambolesques qui, en réalité, ne crédibilisent pas sa démarche, sa posture, puisqu'on ne peut pas à la fois prêcher le vrai et le faux. On ne peut pas à la fois annoncer la pluie et le beau temps. Il faut qu'à quelque part, avoir un discours cohérent, un discours logique, et que les actes ne soient que la déclinaison naturelle de la pensée politique. De ce point de vue, Patrick Talon nous a habitués à la vassalité, nous a habitués à l'aplavantrisme, et même à chanter les éloges des maîtres esclavagistes d'hier. Il fallait tout simplement l'entendre au Parlement français quand il a fait un discours même qui a médusé les Français qui le suivaient, pour dire qu'il ne faut plus s'accrocher au passé, alors que la terre de Dahomey, la terre du Bénin, a été une terre qui a résisté à la pénétration colonialiste, à la pénétration à l'esclavage, avant que les esclavagistes ne nous transforment en un comptoir, n'est-ce pas, qui ont fait saigner des milliers, des millions d'Africains. Et la terre du Bénin est témoin de cette histoire horrible. Et quand un président de ce pays parle, il doit avoir toutes les pesanteurs du passé, il doit avoir tout le respect, n'est-ce pas, de ses ancêtres qui ont résisté. Je pense à Béranzin, je pense à Guélet, et à tous ceux, ces résistants, n'est-ce pas, qui ont défendu l'Afrique. Il faut donc, quand on est le porte-parole du royaume, en tout cas du Bénin, eh bien, je pense que tous ces artifices du passé doivent guider notre pensée, à moins qu'on fasse preuve d'ignorance, on fasse preuve de complètement de manque de cohérence politique, de doctrine, on ne maîtrise pas du point de vue de la dynamique historique. Donc, de ce point de vue, il nous a beaucoup déçus. Il nous a beaucoup déçus également quand il était le premier à sonner le clairon de la guerre contre un pays frère, un pays dont le peuple sont tout en fait forme un seul peuple. C'est la colonisation qui a tracé des frontières aléatoires, et on ne peut pas comprendre que ce pays, au nom d'une démocratie france-africaine, une démocratie édentée, où on a enlevé tous les principes fondamentaux de la démocratie. Je pense à la gouvernance, au respect de la Constitution, au respect des droits de l'homme. Quand il s'agit de ces piliers fondamentaux de la démocratie, bien la France-Afrique les a complètement galvaudés et a transformé ça en une illusion démocratique. Et c'est à cause de ça que le président du Bénin a sonné le clairon de la guerre contre son pays. Mais ce qui est encore surprenant, Madame Bougoudé, si on veut encore aller plus loin dans l'analyse, ce qui est encore surprenant, il faut le lui reconnaître, mais c'est un président qui provient du monde des affaires. Et donc, il a le sens des affaires. C'est un gestionnaire, c'est un économiste quand même qui est capable
de mesurer les enjeux économiques au-delà, n'est-ce pas, des discours, au-delà du narratif ou du fait de faire le perroquet, n'est-ce pas, de Macron. Il y a des enjeux géoéconomiques, géopolitiques tout à fait importants. Et on n'a pas compris pourquoi il a pris cette posture. La conséquence sur le plan économique a été absolument désastreuse pour le Bénin. Le port du Bénin, qui est un port sur l'océan, est devenu un port sec, tout simplement parce que les navires ne viennent plus. Vous savez que le port du Bénin est un port de transit vers les États sahéliens, notamment le Niger. Et donc, avec cette décision, le fait d'avoir avalisé ces sanctions uniques, inhumaines, asphyxiantes, illégales et illégitimes, et bien les conséquences sur l'économie béninoise a été l'assèchement du port de Cotonou. Et dans ce même CBAO, et bien le Togo, faut assimiler un bon dribbleur, un bon politicien, un bon fils dictateur, et bien faut assimiler à se renverser la situation à son encontre et à détourner tout le trafic vers le port en eau profonde de l'Omé. Et donc, le président Patrice Talon s'est retrouvé dans un jeu de dîner à la con, de dîner de con, au tombeau de la farce, où il a vite compris ce qu'il perd dans cette posture. Et donc, sa démarche aujourd'hui s'explique tout simplement par une dynamique économique et aussi par la révolte, n'est-ce pas, de son peuple, parce que dans son discours, il a évoqué, le peuple béninois n'est pas d'accord, le peuple nigérien n'est pas d'accord, et bien il revient à la raison pour écouter son peuple, pour porter un point auprès de son état, de ce qui reste de la CEDEAO en état comateux, de Mons et Nival, et bien la volonté du peuple de revenir à la case zéro pour éviter, n'est-ce pas, la disconvocation ou la fin, la mort subite de cette organisation qui bientôt va fêter 50 ans d'échec cuisant sur toute l'année. Voilà un peu la situation au niveau du président Macron. Mais on va parler du président Caliste et du Patrice Talon, tellement les deux. Il n'y a pas de différence à faire entre les deux. Donc vous comprenez alors qu'on mélange les noms. Alors, mais c'est en réalité, c'est une forme de communication politique, parce que c'est devant les journalistes qu'il essaie de déballer tout ça pour reprendre la main dans cette débandade complètement pour essayer de remobiliser l'opinion nationale et pour dire ben voilà, je fais acte de mea culpa, je comprends le chef, j'ai voulu faire une décision de la démocratie, je comprends que mon peuple n'est pas d'accord, que les Africains ne sont pas d'accord, on revient donc aux fondamentaux et on va plutôt aller vers la CEDEAO des peuples, on va plutôt écouter et peut-être trouver d'autres alternatives de ne plus s'impliquer dans la souveraineté des États. En tout cas, il y a une réflexion à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il pose la question de façon publique. Je pense que c'est quand même une démarche tout à fait raisonnable, tout à fait sensée. C'est comme ça que les syndicats devaient agir. Ce n'est pas quand ils frappent la tête au mur qu'ils doivent revenir un peu complètement édentés, déchaussés, déculottés pour reconnaître qu'ils ont voulu entraîner tout un pays dans la guerre, dans la souffrance, et non d'une forme de prédation, de vassalité et surtout d'injonction qui obéit aux intérêts de la France coloniale qui refuse de décoloniser depuis ses 70 années. Merci chez Lou Lawson pour ce premier sur la question. Les propos de Patrice Talon, le président béninois, appellent aussi, parce qu'il mentionne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il est temps de se tourner vers une CEDEAO des peuples, se tourner vers les peuples nigériens, les peuples burkinabés, les peuples maliens, et refuser de permettre que les différents peuples s'entretuent. C'était d'une certaine manière le message que passait Patrice Talon.
mais il y a un tout autre message également qui peut-être peut se dissimuler à l'intérieur de cette prise de parole devant les médias chez Lawson. Celui-ci est revenu à plusieurs reprises sur la politique des sanctions en disant que ce n'était pas le meilleur moyen d'agir et que c'était peut-être la dernière fois qu'il fallait avoir de tels agissements en face des États. Est-ce que vous pensez chez Lawson que ce revirement, enfin ce retrait des trois pays de l'AES aujourd'hui est en train d'ouvrir les yeux des pays, des chefs d'État des pays de la CEDEAO ou encore de faire peur à ces chefs d'État? De toute évidence, Madame de Boudet, la réflexion, ou du moins la déclaration du président Patrice Talon, pose fondamentalement le débat, n'est-ce pas, de réinventer la CEDEAO, mais aussi pose fondamentalement la question du bilan de cette organisation, mais aussi et surtout l'efficacité des outils, en tout cas de la logique, de la direction prise par cette organisation. Les sanctions ne fonctionnent pas, tout simplement. Les sanctions, plutôt, sont illégales. Ces sanctions ne sont même pas, ne ressortent pas d'un cahier juridique. Convention même de la CEDEAO. Donc la CEDEAO est en train d'agir dans l'illégalité complète. Donc de ce point de vue, il y a une réflexion à faire sur qu'est-ce qui motive cette dérive vers des mesures qui ne sont même pas ne sont pas contenues dans l'arsenal juridique de l'organisation. Ça, c'est quand même une réflexion qu'il faut faire. Il y a la question également des conséquences, n'est-ce pas, de ces sanctions, parce que c'est une organisation qui était appelée à s'intégrer économiquement. Et en économie, les principes sont sacrés. Parce que quand vous touchez au pilier, vous mettez en difficulté, n'est-ce pas, toute une économie. Et mettre en difficulté l'économie, c'est de mettre en difficulté le vivre ensemble, le bien-être des gens. Vous ne pouvez pas, au nom de l'acte, se permettre de toucher au sacré, au sacro-saint, n'est-ce pas, qui fonde le bien-être de tout un peuple. Donc l'économie est centrale. Et si l'économie est la base sur laquelle vous vous réunissez, vous ne pouvez pas, pour un moment, pour visiter la terre, se permettre de toucher ces fondamentaux de l'économie. De ce point de vue, c'est une façon, quelque part, pour la CEDEAO, pour ces chefs d'État, de marcher sur la tête. Ils font les choses à l'envers. Voyez. Et donc, il faut justement que cette réflexion se passe pour voir si c'est le fait qu'on utilise des outils économiques de punition, est-ce que ce n'est pas une façon d'aller à l'encontre même des attentes, des principes, des valeurs, des objectifs, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Et il est clair que les sanctions. On a vu les États-Unis imposer un embargo sur le Cuba depuis plus de 70 ans, mais quand même, il y a le Cuba est quand même en relation avec d'autres puissances, notamment la Russie, d'autres pays, notamment le Venezuela, etc., la Chine. Et donc, cette décision d'imposer un embargo complètement sur les mers, sur les aériens, et sur Terre, sur un pays enclavé, est complètement inimaginable, une violation de tous les traités internationaux, notamment le traité d'accès à la mer. Donc, de ce point de vue, c'est complètement suicidaire. Et on ne peut pas agir de cette façon. Tout simplement parce que on veut remettre à la tête de l'État un gouvernement qui lui-même s'est fait arrêter. En déclarant, il faut se rappeler la déclaration de Bazoum, que son armée est incapable, est faible par rapport à la puissance des terroristes, tout en sachant que ces terroristes sont soutenus par des Occidentaux, par des États étrangers qui utilisent le terrorisme comme moyen, comme levier d'affaiblissement des États sahéliens pour justifier la présence des bases militaires et s'accaparer de l'espace qu'ils désirent. Vital à cause des ressources importantes que contient ce sous-sol-là. Pourquoi
pour le bien, pour la protection, pour la survie, n'est-ce pas, de l'Europe qui, pratiquement, la région sur son sous-sol dépend de l'exploitation de l'Afrique et surtout de cette zone sahélienne qui, comme vous le savez, est très, très riche, riche en pétrole, riche en uranium, riche en cobalt, riche riche en or et même de l'eau, de la nappe phréatique qui part de la Mauritanie jusqu'à la Somalie. Donc c'est un Eldorado ce Sahel pour les Occidentaux et par conséquent, ils ont utilisé comme ils le font toujours depuis des siècles la violence, n'est-ce pas, pour pouvoir créer le chaos et à partir de l'économie du chaos, tirer les marrons du feu. Créer une zone de non-droit, une zone de violence, cette zone qui nourrit le capitalisme occidental et qui en même temps esclavagise les Africains, les maintient dans les chaînes, la domination, la prédation de l'aliénation mentale et culturelle. Et ça, eh bien, cette rupture que les États sahéliens ont fait permet de faire ce qu'on appelle un renversement paradigmatique pour reprendre en main leur propre souveraineté. Et ça, talent sera potentiel énorme, n'est-ce pas, de cette zone, et en tant que quelqu'un qui vient du monde des affaires, il résume, n'est-ce pas, toute la puissance de potentiel du Sahel, et toute cette dynamique qui se met en place, et il comprend que si le Bénin s'arrache de ça, eh bien le Bénin va tirer le diable par la queue, alors que c'est toute une opportunité pour le Bénin, parce qu'il a son port, il est, je dirais, une terre de transit, et tous les projets qui vont porter l'économie de Bénin, tous ces projets seront là. Je me rappelle, Madame de Boudou, que déjà, plus de 1280 km de gazoduc géant, on traverse donc le territoire de Bénin pour pouvoir porter l'or, n'est-ce pas, du Niger vers les marchés internationaux. Et ça, ben, il y a des redevances déjà pour les communes du Bénin sur ce gazoduc. Et ça permet justement d'entrer de manne financière dans l'économie béninoise. Déjà, le fait que son territoire est utilisé, le fait que le Sahel va servir un peu de transit pour le gaz vers l'Europe, tous ces projets-là sont des projets très bénéfiques pour le Bénin. Donc, si le Sahel arrive à s'arracher de cette domination coloniale, à reprendre sa souveraineté, mais à lancer une économie productive, une économie qui crée la croissance économique, eh bien, le Bénin serait quelque part en train de tirer le diable par la peau, par la queue, si il ne s'intègre pas dans cette dynamique économique. Donc, il a vu tout ça, et c'est ce qui explique si j'ai tout à fait logiquement son changement de ton, de démarche et aussi de communication, me semble-t-il, sur le sujet. Le président Patrice Talon a appelé les présidents nigériens, présidents ivoiriens, mais également les autres présidents de la CEDEAO à l'accompagner dans cette lancée. On sait au départ que contre le Niger, enfin du moins pour une intervention militaire du côté du Niger et pour le respect de ces sanctions imposées par la CEDEAO contre le Niger, encore le Mali et le Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, et Nigeria était en pole position. Pensez-vous que l'appel de Patrice Talon, qui ne semble pas vous convaincre forcément, pourra toucher ces différents chefs d'État? Eh bien, cette question, on pourra peut-être en reparler lorsqu'on entrera dans la deuxième partie de notre thème principal, puisqu'on vous parlera aussi des décisions et de la sortie de la CEDEAO après la session extraordinaire. Mais pensez-vous que cette présidence vont entendre raison cette fois-ci? Le message de Patrice Talon, c'était ne plus refaire cette erreur. On n'aurait jamais dû avoir cette politique de sanctions et de rejet envers ces pays, mais on ne devrait plus refaire cette même erreur. Il a même pris un exemple sur un pays qui ne traverse peut-être pas les mêmes situations, mais en disant qu'il ne faudrait pas reproduire le même schéma.
Puisque la CEDEAO en fait participe à la stratégie de d'intégration, d'unification du continent africain. Donc on part, comme l'a expliqué Tchekanta Diop dans son ouvrage, de blocs, de gros ensembles. Donc le fait de réunir tous les pays de l'Afrique de l'Ouest dans un bloc, les pays de l'Afrique centrale dans un autre bloc, et les pays de l'Afrique du Sud austral aussi dans un bloc, et l'Afrique du Nord, permet, c'est comme une première étape vers cette intégration, cette union du continent. Et la meilleure façon de l'approcher, cette démarche, c'est si on ne peut pas le faire sur le plan politique, parce qu'il y a des blocages, parce qu'on a hérité, n'est-ce pas, c'est une forme de balkanisation de la colonisation, et Moumia, dans l'une de ses articles, a sacralisé, n'est-ce pas, l'intangibilité des frontières issues de la colonisation, une erreur fondamentale, d'ailleurs. Alors, ce blocage qui a fait que les idées de Nkrumah ont été battues en brèche par les vassaux à qui on a distribué, qui ne voulaient pas de l'indépendance des pays africains, mais que la France et la Grande-Bretagne ont distribué comme des petits l'indépendance, tout en leur retirant à travers des accords léonins qu'ils ont signés, et que ces accords étaient des boulets d'étranglement sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan culturel, sur le plan des ressources naturelles, et même sur le plan des ressources humaines, toute la situation a été mise en place sur le plan économique et financier par des chaînes qui maintenaient dans une forme de pauvreté, d'exploitation, d'esclavagisation ces pays africains. Alors, le fait de pouvoir utiliser le levier économique à travers donc, l'intégration régionale pour y arriver était une façon, n'est-ce pas, de contourner le problème, de déplacer en réalité le problème. Et aujourd'hui, je pense que avec les questions légitimes qui fait écho à la volonté des peuples, parce que la CEDEAO devait être plutôt la CEDEAO des peuples, donc en posant cette problématique, en ouvrant la réflexion sur ces axes, sur ces axiomes, n'est-ce pas, de la réflexion, il me semble qu'il prend le bon bout d'une certaine manière. Réfléchir à la CEDEAO 2.0. La CEDEAO, ancienne formule, a échoué sur toute la ligne, sur son domaine de prédilection qui est l'économie, a échoué sur le plan politique, parce qu'il n'a pas réussi à venir à bout, à prévenir des conflits, à venir à bout des crises internes de rendement. Et enfin, la CEDEAO a échoué également sur le plan, n'est-ce pas, du respect de ses propres tests, l'un des principes, ou du moins de l'article du traité additionnel, dit tout, par exemple, qu'il ne faudrait pas modifier les tests fondamentaux 6 mois avant les élections. Là, on voit par exemple ces modifications, ces tripatuages un peu partout, et le dernier en date est celui du Sénégal, qui est en train de mettre en difficulté aujourd'hui la CEDEAO, pris entre l'été et la cour, incapable de réfléchir par soi-même et surtout de soutenir ses propres valeurs, ses propres principes et ses propres lois. Et au même moment, cette CEDEAO se donne la corde au cou en se livrant pieds et mains à la France, à Macron, au tonton de l'Élysée, pour que lui dicte ses injonctions et comme des moutons de Parmige, eux, les chefs d'État vassaux, répètent à la perroquet, n'est-ce pas, la décision du président Macron. D'ailleurs, quand on l'a bien vu, là, dans une de ses sorties, complètement abracadabra, Macron disait ben, je vais appeler le président du Ghana, et ben je vais lui intimer l'ordre, je vais lui demander de faire ci et ça, et le lendemain, et ben c'est ce qui a été dit
lui, comme décision de la CEDEAO, c'est complètement hallucinant. Alors on en était là, à une CEDEAO complètement qui n'a plus de colonne vertébrale, qui est devenue un muscle, et qui n'a plus même pas de cerveau, ne peut plus réfléchir. Donc aujourd'hui, le peuple ne veut plus de ce CEDEAO des syndicats, des chefs d'État. Le peuple d'Afrique de l'Ouest veut la CEDEAO des peuples, et ça, il faut repenser toute la structure, toute l'architecture, toute la doxa politique, et économique et culturelle de cette région pour une meilleure intégration, même le pilier central serait la souveraineté des peuples. Le peuple ne veut plus vivre sous des dictats, sous des injonctions, ne veut plus être manipulé, ne veut plus qu'on se moque d'eux et qu'on le traîne dans la violence au nom d'une forme de démocratie complètement désossée de ses principes, de ses valeurs, de sa force, et qui, quelque part, est une manière d'asservissement des pays africains. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il faut aujourd'hui écouter, ouvrir les yeux, comprendre, saisir même la dynamique qui se met en place dans le Sahel, et voir si cette CEDEAO ne peut pas faire sa mue et aller vers une forme de jonction avec l'AES, mais ça va être difficile pour ceux qui sont des vassaux crassés, n'est-ce pas, de la France-Afrique. Je pense à Ouattara, je pense à Macky Sall, je pense à Talon-Mel et à Fenassinde. Alors ces gens, ces présidents qui sont en train de jouer de l'arrière, vont servir un peu de blocage. Mais vous savez, Madame de Boudet, la dynamique des peuples est invincible. La dynamique économique aussi, la dynamique historique, sont des forces de puissance qui font mouvoir comme une énergie, une trame de fond de l'océan, la volonté des peuples à construire leur propre destinée, à pouvoir façonner leur propre destinée. Ça, personne n'a de contrôle là-dessus. Donc cette énergie-là qui émerge aujourd'hui de l'Afrique jeune, de l'Afrique libre, de l'Afrique souveraine, aucun président. On ne peut s'y opposer, aucune structure occidentale ne peut s'y opposer. Et ça, il faut donc s'ajuster et comprendre qu'on ne peut plus jouer à l'arrière comme on l'a fait depuis l'indépendance des pays africains. Et donc la réflexion se pose aujourd'hui et cela vient s'inscrire dans une autre dynamique, c'est celle de la géopolitique mondiale, où on assiste justement à ce déplacement des plaques tectoniques d'un monde unipolaire, d'un monde dollarisé, contrôlé par les États-Unis, en appui sur l'OTAN, vers maintenant un monde multipolaire dont la guerre d'Ukraine a servi d'accélérateur synergique, d'accélérateur cinétique qui, aujourd'hui, permet d'aller vers notre monde, un monde plus diversifié, où les cadres se redistribuent. Donc, ce qui se passe au sein de la CEDEAO, ce mouvement tectonique, ce tremblement, n'est-ce pas, au sein de la CEDEAO, n'est que le reflet, n'est-ce pas, cette géopolitique mondiale également qui est en train de se bouleverser. L'échiquier mondial. Donc on va vers là, on est dans cette transformation, dans cette évolution, dans cet élan, n'est-ce pas, vers cette nouvelle dynamique où les peuples sont décidés à assumer leur propre souveraineté, à avoir le contrôle de leur imaginaire, de leur vision, de leur doxa et aussi de leur bien-être. C'est de ça qu'il s'agit, me semble-t-il, assez précisément. Merci Cheikh Moussaoum pour cette lecture. On rappelle que lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé le retrait de la CEDEAO, la commission de celle-ci avait envoyé un courrier ou du moins un communiqué à cette alliance des États du Sahel ou du moins à ces trois pays afin de rappeler à ces derniers qu'elle n'avait pas été signifiée officiellement de leur retrait, ou encore que le retrait devait être
effectif à partir d'un délai d'un an. Le ministre des Affaires étrangères du côté du Mali a également fait une sortie dans laquelle il a rappelé que ces mesures ou encore ces délais ne s'appliquaient totalement plus au Mali depuis qu'il avait décidé de prendre la décision de se retirer de cette CEDEAO. Eh bien, la session extraordinaire de la CEDEAO, elle s'est tenue le 8 février dernier et la commission a tenu à réitérer à ces pays qui ont décidé de se retirer de la CEDEAO que le retrait et les raisons qui ont été évoquées n'étaient pas du tout fondées, étaient, je cite, de la poudre aux yeux cachant la véritable raison qui est leur intention de ne pas remplir leurs obligations au titre du traité et du protocole. Est-ce que chez Lou Lawson, après les déclarations de Patrice Talon, la CEDEAO elle-même se tire à nouveau une balle dans le pied en faisant une telle sortie à travers la commission de la communauté? La déclaration de la commission, en réalité, c'est comparable, hein, à un chien qui se noie. Et donc, s'accroche, n'est-ce pas, à toutes les subterfuges possibles. Alors, si on revient à l'article cité, en tout cas, du point de vue du droit, c'est l'article 91 du traité, et qui, effectivement, donne une année au pays qui voudrait bien se retirer de la CEDEAO. Mais la question aujourd'hui est de savoir si la CEDEAO elle-même respecte ses propres lois. Du moment où la CEDEAO ne respecte pas ses propres lois, qui va de violation en violation, qui essaie de répondre aux injonctions des intérêts de la France et des Occidentaux, et devient l'instrument, n'est-ce pas, dans les mains d'une politique colonialiste, d'une politique impérialiste de la France, et bien jusqu'à vendre sa souveraineté, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la supranationalisation, c'est-à-dire que les États membres qui sont des États souverains accordent leur souveraineté à une organisation qui les engloutit pour mutualiser leurs efforts pour être plus percutant, plus fort, plus réel, je dirais, en termes de réalisme, de pragmatisme, dans l'efficacité de la politique, mais en même temps, il y a un piège, il devient un instrument caporalisé, capté, hein, contrôlé, paternalisé par l'Occident, et il utilise l'imposer des sanctions aux pays membres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, du moment où la CEDEAO est devenue un marchand dans les mains du Tintin de l'Élysée, et bien évidemment que les États membres qui sont dans une, je dirais, dialectique contraire, c'est-à-dire eux, ils veulent s'arracher de la France-Afrique. Ils veulent s'arracher des injonctions de l'Élysée. On ne peut pas rester habillé porc, déshabillé porc pour habiller Pierre. On ne peut pas le faire d'une certaine manière. Et donc la position du Mali, qui est tout à fait cohérente, qui rejette justement le fait que la CEDEAO aujourd'hui ses propres tests, mais au même moment, a violé ses tests sur toute la ligne. Il n'a pas fait preuve de solidarité pendant plus d'une dizaine d'années que le terrorisme a envahi les États du Sahel. Ce terrorisme nourri par l'OTAN, par la France et les pays européens et américains, rien n'a été fait du côté de la CEDEAO en termes de solidarité, qui est la base même de cette intégration, de cette cohésion sur le plan régional. Vous voyez? Et donc, il y a un problème, il y a un quiproquo tout à fait évident à ce niveau-là. La CEDEAO n'a rien fait pour pouvoir, je dirais, apporter le soutien nécessaire à ce peuple, ou du moins s'intervenir, utiliser son outil régional pour sonner, que ce soit au niveau de l'ONU, pour que les mesures tout à fait conséquentes soient prises et que ceux qui financent, n'est-ce pas, le terrorisme, donc le Qatar, qui est très bien identifié, ceux qui arment les terroristes sont bien identifiés, pourquoi aucune
démarche n'a été prise sur le plan international au niveau de l'ONU pour contrecarrer ces forces obscures qui sont en train d'ensanglanter la région. Rien n'a été fait de ce point de vue. Et quand finalement le Mali décide d'utiliser les ressources internes, s'appuyer sur ses propres fils, ses militaires patriotes, comme Assimi Goïta et ses camarades, pour pouvoir redresser la barre, redresser, n'est-ce pas, la tête, et sortir le pays de cette forme de violence, de cette forme de balkanisation et de peur inédite, n'est-ce pas, contre l'État malien, et bien la CEDEAO, de façon assez péremptoire, sort de son hibernage, de son hibernation, et commence par éclairer des sanctions, n'est-ce pas, contre ce pays, alors que le peuple se mettait en souffrance, rien n'a été fait pour le protéger. Le peuple lancé, le peuple malien, burkinabés, ils ont lancé des appels SOS, personne ne les a écoutés. Et on ne comprend pas cette demande de la CEDEAO. Donc si aujourd'hui la CEDEAO vient évoquer son article, ceci article est complètement caduc du point de vue même du droit, mais aussi du point de vue de la politique, car les États sont d'abord souverains, ils ont à adhérer à des traités, mais ces traités ne remettent pas en cause leur souveraineté, ou en tout cas quand leur les principes fondamentaux du vivre ensemble qui font que les nations sont en danger, et bien ces États-là ne peuvent pas dire que nous avons signé des traités, et ces traités nous sont opposables, alors que notre vie, notre survie est en danger. Donc les Maliens sont tout à fait cohérents de refuser ça, mais au-delà de ça, se pose franchement, et c'est peut-être ça que la CEDEAO ne dit pas. Les États saïens sont rentrés en révolution. Ils sont rentrés en rupture épistémologique, rupture sur le plan, sur la rupture de paradigme, n'est-ce pas, de la France-Afrique. Et cela passe par la remise en cause des piliers de base. Le premier pilier, c'est les bases militaires. Donc ces trois pays ont recherché ces bases militaires et les ont évacués de leur pays. Ça, la CEDEAO ne voit pas l'impact de ça, qui est une acte de souveraineté et de la reprise en main, non seulement de sa propre sécurité, mais un instrument très fort dans un instrument de souveraineté tout à fait percutant dans la démarche, n'est-ce pas, de libération. L'autre pilier que ces états de souveraineté, c'est la question de la monnaie. Et là, vous voyez qu'on a si bien utilisé le mémoire pour les asphyxier, le mémoire pour les bloquer, le mémoire pour mettre leur colonie à terre. Ça voudrait dire qu'il faut rapidement sortir de cet organe puisqu'il met en danger la vie, n'est-ce pas, des populations. Mais imaginez combien de décédés sont décédés dans les hôpitaux, combien d'enfants, de bébés qui devaient naître et qui, privés de médicaments, de soins, d'électricité, sont décédés. Mais c'est complètement, c'est un crime contre l'humanité. Et il a donc le droit, du jour au lendemain, de décider de bloquer la coopération, de bloquer toute transaction avec ce pays. Donc on utilise la faim, on utilise la misère du pays pour amener les gens à suivre le désirateur d'un président tintin qui est là à jouer un peu comme dans un jardin, alors qu'il est en train de manipuler la vie des milliers de citoyens, comme si les Africains ne sont pas des êtres humains à titre égal comme les autres. Donc on est encore dans ces legs coloniaux, de ces réflexes issus de l'esclavage. N'oubliez pas que c'est en France où on a écrit le traité de Colbert qui réduisait les Africains en des biens meubles. On a l'impression qu'on est encore dans on n'est pas sorti de cet imaginaire, de ce mécanisme au niveau de la pensée et aussi de l'action de cette façon de voir l'Afrique, d'esclavagiser les Africains. Donc la question économique, les sanctions économiques, pose fondamentalement cet soutien
fondamentalement, cette volonté des pays sahéliens de contrôler aujourd'hui leur économie, parce qu'en contrôlant l'économie, eh bien, c'est contrôler la monnaie, et donc de sortir du franc CFA, c'est de contrôler les ressources, n'est-ce pas, de ces pays qui ont des ressources énergétiques, des ressources minières, mais qui sont fondamentales pour l'économie. La puissance même qui est utilisée sur le plan de la géopolitique, l'uranium, le pétrole, l'or, etc. Donc, de ce point de vue, c'est fondamental. Et il y a les autres piliers sur le plan de la culture, le français est relégué au rang de la langue de travail, où les langues nationales sont plutôt promues, et aussi les questions politiques où on revient sur les accords qui sont dénoncés, que ce soit le plan économique, politique, ou tous ces accords de monnaie. Et enfin, la question de la diplomatie, où la France a toujours considéré, comme si on était encore ses anciennes colonies, considéré que les Africains, je vais être leur porte-clume, leur porte-parole, ils ne peuvent pas se désentendre, ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes, c'est à nous de penser pour eux, nous contrôlons leur imaginaire, leur pensée, ils sont allés à un degré d'aliénation qui ne peut pas réfléchir par eux-mêmes, c'est nous qui devraient un peu être leurs tuteurs, voyez. Et donc, ils ne sont pas sortis de cette responsabilité à eux imposée coloniale, d'être un peu, d'avoir placé sous leur empire, sous leur férule, sous leur domination, sous leur exploitation ces pays. Et donc, ils ont gardé cette plume qui est quand même symbolique, n'est-ce pas, 60 ans après l'indépendance, au point de vue, au point de grandes organisations. Le Mali a dit non à cela, et tout ça participe justement à cette révolution, à cette rupture, à cette nouvelle indépendance, au fait qu'on reprend en main l'outil de souveraineté, et ça, la CEDEAO ne le comprend pas, ou fin de ne pas le comprendre, parce que quel pays n'aimerait pas avoir ses propres outils de souveraineté? Mais parce que c'est un président très mal élu. C'est des présidents qui ont été imposés par la France et qui doivent, n'est-ce pas, leur règne à la France, et bien ils s'accrochent justement aux outils d'asservissement de leur peuple, d'endettement de leur peuple pour mieux servir à leur peuple. Donc on est dans cette dynamique et à la CEDEAO doit plutôt se féliciter, n'est-ce pas, qu'il y a des membres de son organisation, des États membres qui ont pris cette démarche, qui ont pris cette allure et qui va entraîner à tous les autres pays vers cette sortie, vers la sortie de cette prison, de cette cage dans laquelle la France, en tout cas le pays impérialiste, les ennemis, pour enfin jouir de la liberté. Et c'est aussi la tête du wagon, la tête du train pour l'ensemble de l'Afrique qui rentre dans cette dynamique de rupture et en même temps d'indépendance et de souveraineté pour que les Africains vivent heureux, vivent libres sur leur propre continent, comme ça fut le cas il y a des milliers et des milliers d'années avant que l'Afrique ne donne tous les éléments de la civilisation à l'Europe barbare, à la Chine complètement sauvage, à l'Asie sauvage et à l'Amérique qui n'était même pas peuplée parce que les premières populations datent d'à peu près 10 000 ans qu'on a pu détecter sur ce continent qui était complètement vierge pendant des milliers et des milliers d'années. Monsieur Lawson, et nous, il y a de cela quelques jours, c'était le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, qui disait, en s'adressant aux trois pays de l'AES qui se sont retirés de la CEDEAO, que l'unité de la CEDEAO était irremplaçable. Cette fois-ci, également, après ces paroles qui tonnent comme une injonction de la Commission de la CEDEAO, il y a eu également que celle-ci a décidé d'entamer une médiation auprès de ces trois États afin évidemment d'entrer dans le dialogue, d'essayer de convaincre ces États de ne pas se retirer ou profiter de ces 12 mois imposés par l'article 91 qui est bien sûr brandi face à ces trois pays comme une loi respectée au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Et bien après ces tractations, quel avenir pour la CEDEAO après, évidemment, le retrait
auprès de l'AES, mais quel avenir également pour l'AES? Peut-on penser à une intégration de certains pays comme le Bénin ou encore le Togo et même, pourquoi pas, pousser plus loin en Afrique centrale le Tchad? Oui, tout à fait. Il me semble que il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte, il faut entendre et bien lire le texte, il faut aussi sculpter le prétexte. Voyez, et comme l'a dit Machiavel, la guerre, c'est aussi la stratégie. La stratégie, c'est l'art de la simulation et de la dissimulation. Voyez, et donc, dans une guerre, ce n'est pas nécessairement la force brute, c'est aussi la ruse, c'est aussi le mensonge, c'est aussi la désinformation qui sont des mécanismes de contrôle de l'adversaire. Donc, en ce dernier, en achetant du temps pendant une année, l'énergie, en tout cas, de la France-Afrique, de la domination et du maintien de la domination occidentale sur les pays africains, vont trouver des mécanismes en donnant du temps pour soit déstabiliser ces pays de la l'AES ou soit créer des situations pour que le divorce ne soit pas consommé. Donc l'idée, c'est de les ramener à la cage. J'ai toujours fait un parallélisme de forme avec le philosophe Platon qui a décrit le mythe de la caverne. Vous voyez, où on a enfermé des hommes dans la caverne. Et ces hommes, ils étaient dans le noir, ils étaient empêchés, ils n'avaient pas possibilité de voir la lumière, qu'ils projetaient sur les parois, n'est-ce pas, du mur, leurs propres illusions, leurs propres défaites, leur incapacité à résoudre leurs propres problèmes parce que leur imaginaire a été capté, parce qu'ils sont arrivés à un degré d'aliénation. Il ne peut pas réfléchir par eux-mêmes. Donc, il confond l'ombre et la lumière jusqu'à ce que la lumière leur soit apportée. Et quand on vient leur apporter la lumière, ils résistent. Donc, l'idée, c'est de tout faire pour ramener ce pays-là à l'emprise, n'est-ce pas, de leur propre incapacité à s'autogérer. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu entends Moussa Faki au niveau de l'Union africaine présente les mêmes enjeux, les mêmes difficultés, les mêmes troubles psychiques et épileptiques. Voyez que la CEDEAO a d'une certaine façon à développer. Et on revoit également cela au niveau de l'ONU, au niveau du Conseil de sécurité. Où ces organisations ont été structurées pour servir ce monde unipolaire qui obéit à la force, cette force que les États-Unis, cette suprématie qu'ils ont pu obtenir en quoi? Dans la violence. Et cette violence, c'est les deux bombes qu'ils ont lâchées sur Nagasaki et Hiroshima, qui a fait plus de 100 000 morts dans une ville instantanément et dans l'autre ville plus de 150 millions de personnes qui sont tuées. Donc voyez-vous, alors dans cette violence-là, et dans les autres pays du monde, on leur a imposé une forme de paix, et ensuite ils ont utilisé notre arme qui est le dollar, le pétrodollar, une monnaie complètement qui est dans une forme de bulle, qui est parce qu'ils disposent de la planche à bière, et ils ont trahi leur propre serment, parce qu'en 1945, le dollar était promis à avoir un actif tangible qui est l'or, parce qu'ils estimaient qu'il avait 2 tiers, n'est-ce pas, de quantité d'or dans le monde. Mais très rapidement, en 1973, à lui ce qu'on appelle le dilemme de Pékin. Le président Nixon a brisé cette promesse, cette confiance, et le dollar, qui n'était plus directement lié. Alors, puisque
la quantité de dollars à l'extérieur des États-Unis était plus importante que la quantité d'or qui devait servir de garantie sur dollar dans les caisses de la réserve fédérale. À partir de là, ils ont brisé le lien, ils ont utilisé la planche à billets, donc c'était devenu une monnaie qui joue beaucoup dans une forme de bulle dans une monnaie fiduciaire en réalité qui n'avait pas de contrepartie tangible. Cela a permis de nourrir leur base militaire plus de 800 à travers le monde. Et donc ça a créé une forme d'économie, une forme de domination d'ordre mondial qui obéissait, n'est-ce pas, au système capitaliste et à la prédation et donc à l'hiérarchisation des peuples, des lieux, et qui fait que l'Afrique s'est retrouvée dans ce que l'économie, Samuel Amin appelle l'économie de la périphérie. Et on est dans cet ordre-là, et la France, avec la France Afrique, devait d'une certaine façon jouer un rôle, puisque son empire colonial issu à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, étant donné qu'il était complètement labouré, apportait cela comme état de réserve importante pour soutenir l'économie capitaliste internationale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a permis la mise en défaite de la Deuxième Guerre mondiale, on lui a donné une place au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, la structure même de l'ONU est une structure de domination, c'est une structure de contrôle, n'est-ce pas, et qui n'est pas du tout démocratique. Et cette structure-là a son contrôle, son pendant qui est l'Union européenne, qui a son contrôle sur l'Union africaine, et l'Union africaine aussi devait se jouer sur le rôle, n'est-ce pas, d'antagonisme, de chauvinisme, de contrôle des organisations sous-régionales. Donc on est complètement en dehors de ce qu'a rêvé le père de l'indépendance, Nkrumah, Lumumba, d'aller vers l'unité, d'aller vers l'unité de l'Afrique, on est complètement en dehors de ça. Donc c'est tout à fait logique d'entendre Faki Moussa sortir, je dirais, ce narratif qui est complètement farfelu, qui obéit, n'est-ce pas, aux injonctions, à un discours, à un narratif de contrôle de l'entier des Africains dans cette forme de prédation, de domination. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est cette rupture avec cela, et ça prend des organisations nouvelles. Ça prend des principes nouveaux, une vision nouvelle, un horizon de dépassement. Ça prend aussi une nouvelle culture qui structure autour de la souveraineté et du contrôle des ressources des pays africains. Une économie qui s'appuie sur la transformation sur place et donc qui apporte la valeur ajoutée et qui va être servie de la croissance économique, cette croissance qui répond à un besoin démographique. Vous savez que l'Afrique se renouvelle, sa population est tout à fait jeune, et cette Afrique qui a été complètement décimée, qui a subi une hémorragie, hein, et tous ces braves valides ont été soit tués, soit déportés à travers ce système d'esclavage qui a duré plus de 400 ans et qui a complètement dépeuplé, génocidé l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique reprend, n'est-ce pas, cette puissance démographique, puisqu'on estime que vers 2050, on aura une population de 2 milliards 700 millions de personnes sur le continent africain. C'est énorme, c'est un gros marché. Et l'île africaine, vous savez, c'est un continent, mais c'est aussi une île, est capable aujourd'hui d'asseoir sa propre niveau, sa force, et d'asseoir d'ailleurs sa domination sur la planète. Dieu lui a tout donné, tous les éléments, n'est-ce pas, de puissance, sont en Afrique. Il suffit seulement que les Africains le comprennent, sortent de cette forme. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je pense que fondamentalement, c'est là où les enjeux se jouent. Et quand on entend les sirènes, n'est-ce pas, des zélateurs, des prêtres ou encore
Mais ceux qui se font le porte-flambeau, le porte-parole, le porte-parole de ce narratif néocolonialiste, impérialiste, il faut les comprendre parce qu'eux-mêmes ont besoin d'être libérés de cette maladie en réalité de clochardisation de l'intelligentsia africaine. Merci, chez Nelson, pour votre expertise apportée dans le cadre de ce programme Regard panafricain qui, d'ailleurs, est parvenu à sa fin. Merci infiniment. On se retrouvera très bientôt pour une autre édition de Regard panafricain chez nous. À très bientôt. Pour cette invitation, je salue donc tous ceux qui ont eu le plaisir de nous suivre. Nous sommes très ouverts à leur partage et nous voulons également saluer la direction de Forum Média pour le travail formidable que font les journalistes, notamment Mme Begoudé. Nous saluons votre travail, ça nous redonne courage et détermination de continuer ce combat que vous portez si fièrement et ça fait, en tout cas, ça force notre admiration et nous sommes très heureux de contribuer à ce que ça aille de l'avant. Et nous soutenons Foyer Média pour tout le travail qu'il fait pour les panafricanistes, les panafricains, et aussi pour éclairer, pour apporter la lumière, n'est-ce pas, la communauté pour l'Afrique, l'Afrique souveraine, digne, et qui rugit comme un lien qui est la force, la puissance du monde planétaire. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés à travers la 96.3 FM, Forum Radio, Cameroun, Douala et ses environs. Merci de nous avoir regardés sur toutes nos plateformes et sur vos petits écrans. Nous avons parlé de l'actualité qui met en évidence la CDAO et le retrait de ces pays de l'AES. On se retrouve très prochainement pour une toute autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'information et les programmes se poursuivent sur Forum Media Africa. Au revoir, Niamey.